Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de The Legend of the Skyward Sword sur Wii. Et dans l'épisode précédent, on avait fait la dernière psysalis du jeu, la psysalis de la déesse. Ça a été moins compliqué que prévu. Mais comme prévu, les larmes de la déesse étaient quand même assez fourbes à trouver, mais elles étaient positionnées dans des endroits un petit peu loufoques, on va dire. Bref, alors là, à partir de maintenant, il y aura plus d'épisode principal avant un petit moment, parce qu'on va faire beaucoup d'annexes. Donc déjà, il y aura deux épisodes annexes qui vont sortir. Celle qu'on va faire, on va faire les épreuves du dragon de foudre. L'épisode annexe suivante, on va faire beaucoup de quêtes annexes principales. Et je vais voir comment je vais m'arranger. Et on verra. Et puis, à mon avis, mercredi, il y aura aussi un épisode annexe. Et que ce sera peut-être, avec un peu de chance, si tout se passe bien, dimanche prochain, le dimanche d'après, qu'on va reprendre la quête principale. Avec le vrai dernier temple. Mais ça, faudra attendre. Bref. J'aimerais compléter tout le jeu avant de faire le dernier temple. Hein. Bref, on va tout de suite se lancer. Parce que les épreuves du dragon de foudre, ça va pas être fastoche, on va dire. Je me suis bien entraîné, hein. Donc ça devrait passer à peu près correct. Alors je vous le dis tout de suite, hein. Les épreuves du dragon de foudre, on a un nouveau bouclier à récup, plus un quart de cœur, plus un fragment. Je vais récupérer le bouclier, le fragment de cœur, vu qu'il sera montré dans la foulée, mais que je le récupérerai pas, je le ferai en off après. Je le récupérerai en off. Parce que ça servira à rien de vous remontrer toutes les épreuves, parce que ce sera du réchauffé, on aura déjà vu, donc on va pas revoir deux fois la même chose. De toute façon, vous comprendrez au moment voulu, hein, pourquoi je le ferai en off. Vous comprendrez. Gorge de l'Anel. On va tout faire. Hein. On va vraiment faire toutes les épreuves du dragon de foudre. Hein. On va pas juste faire la moitié. Hein. Parce que pour récupérer le quart de cœur et surtout le bouclier, je pourrais faire juste la moitié des épreuves. Mais on va tout faire. On va absolument tout faire. Première chose qu'on va faire, c'est peut-être faire une petite sauvegarde. Parce que si je fail, normalement je me retrouve ici. Mais j'ai un doute, j'aimerais pas me retrouver dans Célestbourg, quoi. Après, vous allez me dire, je pourrais toujours faire une ellipse, hein, c'est pas non plus compliqué. Bref, ah, j'aime bien cette petite musique là, comme ça. Là. Ah, j'adore. Bref, approchons-nous du dragon de foudre. Hein. En vue FPS, s'il vous plaît. Oh, c'est pas tip-top en fait. C'était juste pour montrer qu'au bout d'un moment, il aurait une bulle. J'aurais mieux fait de m'y approcher, comme d'habitude, comme ça. Bref, on va s'en sortir tout de suite parce que ça va quand même être assez loin. Ah oui, j'étais pas assez près. Bonjour Link, content de te revoir. Qu'est-ce que tu dirais si on s'amusait un peu? Mais un valeureux guerrier comme toi n'a pas de temps à perdre avec des futilités, n'est-ce pas? C'est pourquoi je te propose de revivre les épreuves et combats que tu as rencontrés jusqu'à présent. Le meilleur moyen d'apprendre est de tirer des leçons du passé. Alors, qu'en dis-tu, Link? C'est parti! Ça, c'est une réponse digne d'un grand héros. Bien, laisse-moi jeter un œil à tes expériences passées. Je vois. Tu as accompli de nombreux exploits. Tu as combattu des monstres redoutables. Et tu as dû triompher des Psysalis. Très bien, je vais te permettre de revivre ces deux types de défis.
Ah, et c'est ça que j'adore, c'est qu'on va aussi pouvoir se refaire les psysalis, ça j'aime bien. Mais on va commencer par les combats. Je lui dis, on va tout faire, on va aussi faire les psysalis. Et pour les psysalis, on va, ça sera du time attack, hein, ça, voilà. Va pour un combat, ton enthousiasme me plaît. Tu vas te retrouver face aux plus redoutables adversaires que tu as combattus jusqu'à présent. Ben, les boss, quoi. Je vais utiliser mes pouvoirs pour recréer tes combats passés. Évidemment, si tu gagnes, tu seras récompensé. La plus belle récompense est mon trésor le plus précieux, un bouclier sacrément solide. Mais attention, tu ne dois pas prendre ces combats à la légère. Si tu perds, c'est fini. Tu seras perdu à jamais. Tu es toujours partant? Oh ben oui. C'est bien, tu n'as pas froid aux yeux, voyons. Tu veux affronter les ennemis rencontrés à quel moment de ton aventure? Alors, Tac m'a conseillé de commencer par les plus difficiles. Donc on va faire vers la fin. On va faire vers la fin. Ou alors... Parce que le problème, le boss où j'ai eu le plus de mal, ça reste la deuxième forme du banni. Mais si je mets vers la fin, ça va être la dernière forme du banni. On va faire le milieu. Je sais plus trop. Au milieu de ton aventure, voyons. Ceux-là m'ont l'air assez costaud. Lequel choisis-tu? Ah oui, voilà, le banni. Mais après, le truc, c'est... Ah. Tu as choisi de revivre le deuxième affrontement contre le banni. Le monstre gigantesque que tu as combattu au Vallon du Sceau. La deuxième forme, pour rappel, c'est il a les bras. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de te dire quelque chose. Tu ne peux utiliser que l'arsenal que tu possédais au moment du combat en question. Et tu ne peux pas utiliser les objets de ta sacoche, certes. Les ennemis sont puissants, mais tu les connais. Ah, il n'a pas tort. Bon, d'accord, c'est peut-être un peu trop extrême. Oh, ça va, pas tant que ça. Allez, je te laisse utiliser un bouclier si tu veux. Lol, sans blague. Ton équipement actuel te convient? Oui. Allez, donne tout ce que tu as. Il n'y a pas de problème. Alors là, j'ai eu le temps d'affiner ma technique et finalement, ouais, c'est vrai. Je vais adopter la technique de tac. Hein. Enfin, plus ou moins de tac. Première chose qu'on va faire, c'est se mettre en hauteur. Un cran au-dessus. Et il y a moyen de tout de suite tomber sur sa tête avant qu'il utilise ses bras, mais on va quand même attendre. On va attendre. Va quand même falloir rester concentré parce que voilà quoi. Alors on va pas utiliser Ergo tout de suite. Parce que Ergo va intervenir là. Hey Link, mon engin est fin prêt. Tirons sur ce monstre pour l'empêcher d'escalader le mur. Appuyez, oui, bon, ça après on connaît. Mais sauf que moi. Ah oui, forcément, il y a un truc aussi, c'est qu'on a tout de suite l'épée ultime. Donc, les combats, surtout du début, les boss du début vont être rushés à une vitesse. C'est de la folie. Alors, on va juste attendre. Quoique, on pourrait tout de suite. Le temps de paralyser. Ah ouais, hein, je me suis fait avoir un peu. Et là, on monte sur sa tête et... Voilà. Deux fois comme ça, mais après, il faudra s'y prendre autrement. Alors. Ouais. Bon, là, par contre... Bah, comme d'habitude, en fait. De toute façon, il va falloir attendre que Ergo intervienne à nouveau. Là, il faut attendre. Voilà. On entend Ergo là. Hey! Ouais. On va s'approcher du monstre. Mais là, je crois qu'on va attendre qu'il utilise ses bras à nouveau. Parce que je me suis déjà fait avoir, en fait.
Au moment où j'ai balancé une bombe, il y a eu d'un seul coup la cinématique du banni qui voulait grimper. Et la bombe n'avait pas pris. Donc là, on va attendre. Voilà. Comme d'habitude. De toute façon, c'est pas du time attack là. Même si on a un chrono, ça va, c'est pas... Le but n'est pas de faire le meilleur score. Le but, c'est de simplement battre les monstres. Voilà. Recentre. Et là, c'est nickel. Voilà, c'est quand même assez facile comme ça. Alors. Ah, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'il est stoné, donc il n'y a pas de risque. Par contre, pour la troisième forme, là, oui. On va tout de suite grimper un étage au-dessus parce qu'il va faire tout un tour complet, en fait. Il va carrément faire le tour complet. Par contre, là, faudra pas s'amuser à aller au-dessus et tomber sur sa tête parce que ça va être beaucoup trop haut, en fait. Ça va être beaucoup trop haut. On va simplement... le stoner. On va juste attendre la cinématique habituelle. Alors là, il est... Ouais, il est carrément... Aïe aïe aïe. Si, c'est bon, ça passe. J'ai un peu peur là, mais c'est bon. Là par contre, c'est curage d'ongle classique. On va vraiment faire le plus d'ongles possible. Là, on va se faire l'arrière gentiment. On va attendre qu'Ergo intervienne à nouveau. Mais là, du coup, comme il ralentit, c'est nickel, en fait. Voilà. On n'a même plus besoin d'ergo, en fait. Je devrais avoir le temps sans problème. Au pire, il y a ergo, mais bon... Voilà. J'ai préféré pas faire l'autre coup tout de suite parce que ça aurait été con que je sois épuisé. Bon là, ça va quand même être une vidéo longue. Hein. Maintenant que j'y pense, on est à 13 minutes de vidéo, je suis qu'au premier combat. Eh ouais. Elle risque de dépasser une heure. Hein. Facile. Mais bon. Oh, bravo Link, tu es un vrai héros. Tu as mis 3 minutes 59 secondes 49 centièmes pour battre le banni. Attends voir, comme c'est la première fois que tu bats cet ennemi pour moi, voici une récompense bien méritée. Ah, il donnera 50 rubis à chaque fois qu'on bat un nouveau boss qu'on n'a jamais battu ou alors si on bat notre record. Ah, quoique, dis-moi, Link, est-ce que tu es prêt à enchaîner avec un autre combat? Bah oui, justement, il faut. Bien sûr, plus tu remportes de victoires consécutives, plus la valeur de la récompense est grande. Par exemple, tu peux gagner un bouclier super résistant. C'est celui-là qu'on veut, justement. Ça te fait envie, pas vrai? Par contre, j'imagine que tu le sais déjà, mais si tu perds, c'en est fini de toi. De plus, ta jauge de bouclier... et ta jauge de vie ne se remplissent pas après chaque victoire, mais ça rajoute un peu de piment. Si tu arrêtes maintenant, tu gagnes 20 rubis, mais l'enjeu du prochain combat est un petit trésor. Alors, tu veux continuer? Oui. C'est une réponse digne d'un vrai héros, mais tu dois savoir un petit détail. Après le premier combat, c'est moi qui choisis les prochains ennemis. Tu n'as pas y pensé. Et ça rajoute un peu de suspense.
Allez, fini de bavarder. Passons aux choses sérieuses, oui. Ah là, ça va être la surprise. Ça va être qui? Ah. Bon, lui, vous allez voir, ça va être rapide. Hein. Puisqu'on a l'épée ultime. Vous allez voir, hein, c'est... Voilà, direct, voilà. Déjà pour commencer. Ensuite... Le bouclier, voilà. Ça, c'est efficace. On a tout notre temps, hein. Enfin, tout notre temps, pas trop. Ouh, là, c'était juste. Bon, là, vous avez vu, ça a été... Il a été battu très vite, hein, parce qu'on a l'épée ultime. Bien joué, tu m'as impressionné une fois de plus. Bon, là, par contre, je vais pas faire les dialogues. Ça va être toujours pareil, c'est la première fois qu'on bat cet ennemi, donc on a 50 rubis. Eh oui, donc... Ah oui. Ah non, 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 c'est vraiment... Quand on bat un nouvel ennemi ou alors quand on bat notre record. C'est-à-dire au niveau du time attack si on fait moins. Surtout faut pas faire non. Hein. Parce que sinon faut tout recommencer. Voilà, le prochain combat sera le troisième. Encore 7. Donc on a 9 combats en tout. Normalement on en a 9. Ah, et là c'est la première forme. On n'a pas vu ses bras, donc là ça va être facile. Enfin, ça devrait être facile. On va juste se décaler un peu. Wouhou, c'était juste. J'ai failli tomber en fait là. Parce qu'en fait, comme il se balade de droite à gauche, c'est vrai que c'est... Faut essayer d'anticiper. Donc là, on va juste attendre. Dans la première forme, c'est vraiment la plus rapide à battre. Hein, c'est... Voilà. Mais je trouve la troisième forme du banni plus facile à battre que la deuxième en fait. C'est ça le détail. Alors là, ce stade, il nous propulse pas vers l'arrière. Hein. Enfin bon, vaut mieux être rapide quand même. On sait jamais. Et là, c'est reparti. Donc là, c'est trois fois, faut aller au centre. Bon, dernier coup, on va pas se louper. Wow. Je me suis pris un petit dégât, mais ça va. Ouais, c'est quand même vraiment la phase la plus simple, hein, surtout avec cette technique. Vous voyez que j'ai tendance à vraiment maxer dans le sens du banni et pas être perpendiculaire, c'est plus facile je trouve. Alors je devrais avoir 50 rubis. De toute façon, même si j'avais fait un temps dégueulasse, j'aurais eu 50 rubis. Vu que c'est la première fois.
Et là, c'est un excellent moyen de se faire des rubis aussi. Hein. Alors là, ce serait pour 1, voilà. 100 rubis. Ou alors, le prochain combat, c'est le fragment de cœur. Et c'est ça le truc. C'est que, par la suite, le prochain combat, je le fais. Et pour avoir le fragment de cœur, après, il faudra que je mette non. Mais on va poursuivre. Et du coup, après, il faudra que je refasse à nouveau tout. Et qu'il faudra que je m'arrête arriver au fragment de cœur. Donc ça, je ferai en off. Donc, on va poursuivre. Par contre, il y aura un petit piège. On verra. On verra en temps voulu. Alors. Les bombes. Donc là, on est limité à 10 bombes, hein, comme la première fois. Ah, ça c'est chiant ça. Ah, il va être un peu chiant là-dessus. Lol. Mange-toi la bombe. Ah, c'est chiant ça. Des fois, je sais pas pourquoi. Je vais faire des attaques compliquées, je devrais pas. Voilà. Juste des attaques comme ça, c'est tout aussi bien. Bon, je me suis explosé un peu en même temps, mais bon. Ah oui. Bon là, vous voyez, tout de suite, il monte au-dessus. Donc là, on n'a plus à utiliser de bombe. On va juste attendre. Voilà. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide. Parce que normalement, il faut beaucoup plus de temps pour le battre. Ah, c'est pour ça que le dragon de foudre, il a bon dos à nous dire « Ouais, on va rajouter un peu de piment, mais il aurait dû nous donner l'épée de base dans ce cas-là. » Pour vraiment rajouter du piment. Mais c'est pas le cas. Enfin bon. Bella Dharma, voilà. Bah, je connais pas hein, le nom des boss par cœur, hein, donc c'est vrai que c'est bien, ils nous donnent le nom des boss. Donc si tu arrêtes maintenant, tu gagnes un fragment de cœur, sauf qu'on va pas le faire. Mais l'enjeu du prochain combat est 300 rubis. Alors, tu veux continuer? Oh oui. Jusqu'au bout. Le cinquième, et après, bon, encore 5. Ah, j'aime bien ce boss. Ouais, c'est le boss du Galion des Sables, hein, on le reconnaît. Et en plus, comme notre épée se charge beaucoup plus rapidement, c'est l'idéal. Bon. Alors, t'as paré où? Ici, parfait. Je l'ai eu. Bon, là aussi, ça va être un peu plus rapide. Wow, touche-le quand même. Ça va être un peu plus rapide, mais la différence va moins se voir tout de suite. Parce que là, on arrive vers les boss costauds, donc voilà. J'ai un peu trop traîné en fait, c'est ça le détail. Oh, j'ai quand même eu, mais l'autre il m'a chopé. Alors, il va quand même falloir faire gaffe parce que. Toujours rester en mouvement, hein, c'est vraiment. Mince! Allez, c'est bon.
Ah, quand on n'arrive pas à l'avoir du premier coup, c'est tout de suite plus compliqué. Alors, tout de suite on charge l'épée. Et on attend. Ah, au centre. Il arrive souvent au centre en fait. Bon, deuxième phase. Mais là tout de suite c'est quand même beaucoup plus long. Les boss, même si on a l'épée ultime, la différence se voit beaucoup moins. Et les boss à la base sont quand même plus endurants. Donc là on se souvient, une flèche. Donc là on va tout de suite s'écarter au fond. Parce qu'on se souvient qu'avec ses cheveux en fait il va... Il va balancer... C'est des serpents en fait. C'est comme des serpents. Mince. Ah, j'ai cru l'avoir. Voilà. Bon, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. Je pense que si je faisais des attaques tournoyantes, ça irait peut-être un petit peu plus vite. Ça lui provoquerait plus de dégâts. Mais bon. Alors nous, un trésor rare. On poursuit. Le sixième combat, alors ça va être qui? Ah bah c'est le troisième boss. Bon lui aussi il est relativement facile. J'aurais simplement reculé sans attaquer au début. La première phase reste assez longue à voir. Après, c'est plus rapide. Wow! Ah, je comprends pas, normalement j'avais eu, hein, mais ça a pas pris en compte. Voilà, des attaques circulaires. Alors... Bon, on se souvient de cette phase, hein. Après faut le remonter. Et voilà, c'est fini.
Mais la deuxième phase, on voit tout de suite, c'est quand même plus rapide. Quoique... Quoique pas sûr, en fait. Au niveau du nombre de coups, au bout de 3 fois, en fait, je l'ai buté sur sa deuxième phase. Mais je crois que c'était déjà valable, à la base. Je préfère un laps de temps avant de cliquer. Parce que si je fais non, je suis pas dans la merde. Faut que tout que je recommence. Oui. Le 7e combat. Alors, ça va être qui? Ah! Ah bah oui, c'est vrai, faut que... Voilà. Ah, je pensais pas qu'il allait choper mon épée. Je ne pensais pas. Mais j'ai le réflexe après. Wow. Faut bien attendre. Voilà. Bon, la deuxième phase... Il a 2 épées. Contrairement à la première fois, il n'en avait qu'une. Bon, là, ça va quand même un peu plus rapide. Non, je voulais recentrer, en fait. Oui, mais ça, je m'en fiche. Je m'en fiche, Faye, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est le combat. Merci. C'est suffisant. Ah, c'est vrai que c'est efficace, comme ça. Dès qu'il plante son épée au sol... Wouhou! Éviter de justesse, hein. Bon, il fait que ça? Quelle déception! Quelle déception, ce Giraïm! Il était à moitié bugué dans le mur, j'ai l'impression, là. Oh, ça a été plus rapide que la première fois, hein. C'est... Voilà. Bah, c'est vrai que la première fois, j'étais plus méfiant. Là, j'ai compris que lorsque... Il fait un piqué au sol, on peut attaquer tout de suite après. Bah, on me l'avait signalé, ça. Donc, oui, je vais poursuivre. Oui. Est une réponse digne d'un vrai héros. Encore 2 et tout ça. Alors, c'est à partir du 8e qu'on a le bouclier ultra solide, là. Hein. Et ça va être là, le piège. Ah. Mais j'aime bien ce boss aussi. Je sais même plus comment il s'appelle. Alors, tu fais quoi? Et là, ça va être plus rapide aussi, hein, parce qu'on a l'épée ultime. Ouais, que normalement, il faut donner plus de coups au centre pour que... Il ramène ses bras, quoi. Ah. J'ai un peu traîné, en fait, pour faire... Comme pour faire ça, en fait. Le retour en arrière.
En fait, un coup circulaire, ça suffit. Deuxième phase. Alors je vais prendre un petit risque, un gros même. Je veux tout de suite l'attaquer en fait. Comme ça, pas de perte de temps. Et voilà, on se souvient que normalement il fait appel à des bocoblins zombies. On va pas s'en occuper. Bon là pour l'instant c'est son attaque spéciale là. Alors, appelle tes bocoblins là, vas-y. Voilà, on va s'écarter. Ah, normalement des fois j'arrive à la voir direct. Voilà. Normalement trois coups comme ça et c'est bon. Peut-être prendre mes cœurs. Ouais, on va les prendre. Voilà. Deux cœurs de récup. Mince, je suis un peu concentré là quand même. Ah, il en fait appel à d'autres. Et ben alors. Vas-y. Attaque. Ah, j'ai pas compris. Enfin bon. Voilà, ah, ça a été long quand même. Hein. 4 minutes. Et c'est là que normalement on a le bouclier spécial. Oh, bien joué, tu m'as impressionné une fois de plus. Dailoma, voilà, c'est son... Attends voir, oui, bon, 50 rubis comme d'hab. Et là, si tu arrêtes maintenant, tu gagnes un bouclier super résistant et c'est là le piège. Mais l'enjeu du prochain combat est 2000 rubis. Alors, tu veux continuer, c'est là le piège. Il faut surtout pas faire continuer. Si vous faites continuer, ben, après, vous êtes à nouveau obligé de refaire les combats pour avoir le bouclier spécial. Donc, on fait non. Très bien, je comprends que tu ne veuilles pas prendre de risques inutiles. C'est pas ça, c'est que je veux le bouclier, c'est surtout ça. En tout cas, tu t'es bien battu. Comme promis, voilà ta récompense. Celui-là, il est en claque au moins. Vous avez obtenu le bouclier d'Ilia. L'aura des héros émane de ce bouclier légendaire. Aucune attaque ne peut l'endommager. Oh, c'est magnifique.
Ah, ça c'est magnifique. Votre sacoche est pleine. L'objet a été envoyé à la consigne. Reviens quand tu veux. À bientôt. Donc du coup, après, il faudrait se refaire les combats. Mais pour avoir le quart de cœur, et voilà. Donc il faudrait s'arrêter au moment où on a le quart de cœur en récompense. Donc là, ce qu'on va faire, c'est directement faire les psysalis. Et ça va être énorme. Donc la vidéo va être longue. Hein. Ça, c'est prévu. Elle va être longue. Et c'est du time attack, le truc. Tiens, Link, tu es prêt pour les combats sans merci? Ou est-ce que tu préfères te frotter aux psysalis? Les psysalis? Tu veux essayer les psys... Tu veux essayer un défi psysalis? Je suis ravi de voir que tu ne te laisses pas impressionner. Tu vas revivre l'une des épreuves que tu as déjà passées. Mais je rajoute une petite difficulté. Le temps est chronométré. C'est du time attack. Du time attack. Si tu fais un bon temps, tu recevras une récompense. Par contre, si tu te fais toucher une seule fois par un gardien, tu auras perdu. Si tu essuies un échec, tu reviendras ici avec une jauge de vie considérablement diminuée. Alors, tu veux essayer? Si on fail, en fait, on n'aura plus qu'un cœur. Alors, oui. Ça, c'est une réponse d'Indairo. Choisis le lieu du défi Psysalis. On va commencer par la plus facile. Forêt de Firon, il faut faire moins de 3 minutes. Alors, c'est parti. Ferme les yeux et concentre-toi. Si je loupe, en fait, je ferai une ellipse. Pour montrer que la partie que je réussis. Tu y es, Link. Mets-y tout ton cœur, pas de problème. C'est du time attack. Moins de 3 minutes pour le faire. Et là, du coup, on va être obligé de la recommencer. Minutes 7 secondes et 66 centièmes, mais ce n'est pas suffisant. Tu vois, j'ai été très rapide, mais c'est pas suffisamment rapide. Moins de 3 minutes, hein. Du coup, maintenant je vais montrer uniquement la partie que je réussis. Oui. On va relever un autre défi et ça va être une fois de plus Firon. Et on va la réussir, mais la partie que je réussis, hein, c'est que ça. Huh?
En étant concentré, c'est quand même plus facile. Pas à dire. Beau travail, tu es rentré sain et sauf. Oui. Tu as mis 2 minutes 43 secondes et 6 centièmes pour terminer ce défi. Incroyable, beau travail, Link. Tu as été très rapide. Tu mérites une belle récompense. Voilà pour toi. On n'aura que des trésors rares, en fait, avec ces défis-là. Mais c'est quand même bien de les montrer. Alors, maintenant, défi suivant. Ah bah oui. Comme je dis, on va faire toutes les petites Alice. Alors là, la seconde, c'était celle de l'annel, celle que je connais le mieux, en fait. Là, je me suis tellement entraîné dessus, en fait, c'est dingue. Elle devrait passer du premier coup. Enfin, j'espère. Et là, je crois qu'il faut faire moins... Ah oui, moins de 4 minutes 15. Et là, ça va être quand même chaud ce que je vais faire. Il faut vraiment pas perdre de temps, en fait. Ah, bon, là, c'est mort. Sauf si je l'amène là, mais là, je perds du temps. Voilà, c'est foutu, on va recommencer direct. Normalement ça aurait dû passer, mais il fallait que je pousse tout de suite en fait. LOL! Habituellement ça passe. Habituellement ça passe sans problème. De toute façon je suis obligé de faire ça. Sinon je perds du temps en fait. Ça a toujours marché. Mais là ça marche pas. Non mais en fait j'ai dû traîner un moment ou un autre. Normalement, j'ai le temps de sauter et de récupérer l'alarme avant qu'il me touche. Oui, j'ai dû traîner, hein, c'est classique. Hut!
Voilà, quand même. Ah, je savais que ça passait normalement. Et là, c'est chaud, hein, c'est vraiment... Faut connaître le trajet par cœur, merde. Ah, déjà, si je fais des trucs comme ça, ça va pas le faire. Et celle-là ici, je vais faire exprès de me faire avoir par un fantôme. Parce que j'ai pas de temps à perdre en fait, faut... De toute façon, vous vous faites avoir là. C'est obligé. Et celle-là ici, là ça va être délicat, hein. Attention. Voilà. Faut bien s'axer comme il faut. Normalement, ça devrait être bon. Là aussi, pareil, je me fais avoir, c'est... Faut pas perdre de temps là-dessus. Et demi-tour, là, ici... Vite, prenons la dernière. Et voilà, et là c'est moins de 4 minutes 15. Facile. Et voilà. Le passage le plus chiant, en fait, c'est... Enfin, le plus dur, la technique la plus dure, c'est, comme vous avez vu, c'est faut vraiment pousser le chariot et récupérer l'alarme avant de se faire toucher par l'ennemi, c'est ça. J'ai pas compris comment je me suis fait avoir. Par l'ennemi, normalement, jamais ça m'est arrivé. Je récupère l'alarme avant de me faire toucher. Enfin bon. C'est passé. Et l'autre, par contre, elle va être facile, à côté. Parce que... L'autre, en fait, j'ai réussi du premier coup. C'est ça, le détail. Donc, je sais pas quel est le temps maximum autorisé. Est-ce que j'ai réussi du premier coup? Alors, c'est celle de Ordine. Qui est la plus dure, mais dont j'ai réussi du premier coup, là, c'est... Parce que j'avais tellement failli la première fois que je la connais par cœur aussi, c'est... voilà. Enfin bon. Non, je sais pas combien de temps maximum c'est autorisé. Ah, c'est pas... ah là par contre ça va être chaud peut-être. Parce que là... Ah oui, ça va être chaud. Ouais. Ah, ça va être chaud. Ouais, en fait, faut pas se faire avoir. Est-ce que ça passe? J'avais mis moins que ça la première fois. Beau travail. Ah, voilà, c'est pas suffisant. J'ai été un peu lent. Donc du coup, obligé de recommencer. Pas le choix. Mais je sais où j'ai traîné, hein, c'est... Voilà, c'est ça le truc. Du coup, j'ai ma petite idée de comment m'y prendre. Ah bah oui.
Oh là là, c'est YOLO. C'est total YOLO. Mais du coup, c'est bon, là. C'est total YOLO, mais c'est bon. Ça devrait aller. Ouais, ça passe normalement. Enfin, normalement. Ouh ! Oh la vache ! Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Voilà. Mort de rire. Bon. Mince. Bah oui, c'est la dernière plateforme que j'ai réussi à aller. Ça devrait passer, j'espère. Hit!
Et on voit que je suis hyper concentré là, c'est. C'est fou. Mortel. En même temps, j'ai pas trop le choix là. Oh là là, comment je la prends? Comment j'ai pris YOLO là le truc? Fais gaffe! Qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. C'est le fail total là. Attends. On va bien se positionner, c'est pas possible. Voilà. Ah, c'est incroyable. Faut mettre moins de 6 minutes, je crois. Moins de 6 minutes. Enfin, je sais pas. C'est la bonne question. Putain, je suis sûr que c'est... Si je loupe, je suis sûr que ça va être à cause de ça, quoi. Ah bah si, c'est passé quand même. Bah, c'était large. Hein. C'était large. Du coup, il reste la dernière Psyzalis. Alors, prêt pour la dernière. Bah ouais, hein, si. Alors, autre. Un autre lieu, oui, Célestbourg. Et là, ça va être pas mal aussi, hein. On va voir. Ah, c'était sûr, hein. Mais là, normalement, je devrais ne pas... Je devrais pouvoir ne pas me faire avoir. Hit!
Est-ce que ça passe? Normalement, ouais. Puisqu'à chaque fois, on a plus de temps pour le faire. Bon, ça t'est un petit peu YOLO vers la fin, là, mais... Ouais, bah, c'est passé, heureusement. Normalement, ça doit passer sans que j'ai besoin de marcher dans... sur les dévoileurs là, parce qu'on a vu le grand étang là qui sert de dévoileur, normalement je devrais pas avoir besoin de marcher dessus. Mais bon, ça fait gagner du temps. Bon, ben c'est passé, du coup il y aura pas mal de montage. Bah non, on a fait tous les défis. On a fait tous les défis, c'est parfait. Donc du coup, on va s'en rester là et dans la prochaine vidéo... Ben, on va faire pas mal de quêtes, de grosses quêtes annexes dans Célestebourg, et puis du coup, je vous dis à plus.